la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes. Salam, salam. Aujourd'hui, vidéo assez particulière. On va laisser MyIA de Snap décider de ce qu'on va manger pendant toute la journée. Myriam me dit qu'il nous espionne. Myriam me dit qu'il a des informations personnelles sur nous. C'est l'espion de Snap. Pourquoi tu me dis ça? Je comprends pas pourquoi. Il y a grave des gens, ils ont demandé à MyIA des trucs. Et je me dis, MyIA, ils leur sortaient des informations qu'ils ont jamais dit à MyIA. Ok, moi, vous savez que mon repas préféré, c'est les pizzas. Et toi, c'est quoi ton repas préféré? Bah, moi, mon repas préféré, en vrai de vrai, c'est les pâtes. Les pâtes? Ok, ouais. On va demander à MyIA. Non, les sushis. On va demander à MyIA ce qu'on doit manger. On va voir vraiment s'il nous espionne. MyIA est devant nous. Déjà, je veux dire, Salem, faut qu'on soit intelligent. Qu'on soit pas bête. Faut lui dire des bonnes réponses. Que si on dit, donne-moi un repas, il peut nous dire des légumes ou des trucs comme ça. Regarde, il m'a dit, wa alaikum salam. Moi, mon MyIA, il est bien, t'inquiète. Oh, il a dit Yacine, parce que c'est le téléphone à Yacine. Donc, je vais lui dire, j'ai super faim. Je vais dire, déjà, j'ai super faim. On va voir ce qu'il va me dire. S'il est intelligent, il va me dire de manger un bon repas. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Il m'a mis burger, pizza et tacos. Là, il faudrait. Attends, je vais dire, choisis-moi un repas. Allez, mets-moi un bon repas, MyIA, s'il te plaît. Parce qu'il est espionné, donc normalement, il va mettre. Bien sûr, si tu aimes la cuisine italienne, je te recommande une délicieuse pizza margherita. Yes! T'as mangé une margherita, les gars? Et on va demander pour le dessert. Et dessert, mais je pense qu'on est vraiment espionné, les gars. Parce que comment il sait que les pizzas Yacine, c'est les margheritas, ses pizzas préférées? Pour le dessert, tu pourrais essayer avec une tarte aux pommes croustillante avec une boule de glace à la vanille. Incroyable, les mecs. Bah, vas-y, okay. Ça part pour une pizza, une tarte aux pommes avec de la glace à la vanille. C'est parti. Wesh, pourquoi Myriam, t'es énervé? À chaque fois, c'est moi, j'ai les mauvais trucs dans les vidéos. Mais t'as dit que t'aimais bien les pâtes. Oui, certes, j'aime bien les pâtes, mais à chaque fois, vous n'avez pas remarqué dans les vidéos en ce moment, c'est Younes qui a eu le Uber Eats, les pizzas. Bah, des fois, c'est tout le temps, toi, t'as les bons trucs. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le maximum tout nous-mêmes, sinon ça va être trop facile. Ouais, bon, viens, on va acheter. On commence par le dessert, bien évidemment. Je kiffe le sucré, alors j'ai trouvé ça. Une géante tarte aux pommes, ou alors deux petits morceaux de tarte aux pommes, je sais. Je vais prendre la géante. Je vais prendre la géante. On vous avait dit qu'on allait revenir tout le temps. Il y a des nouilles à volonté. Vas-y, mange. Je sais, vas-y, lâche, c'est pas dans le défi, mais prends les baguettes. T'es chiant de tout manger. Elle arrive pas avec les baguettes. Les dames, elles sont en train de faire, elles sont trop gentilles, elles ont mis des sushis à volonté. My sushi, c'est trop bon. T'en as encore 500 à manger. Bon bah, à tout à l'heure. A few moments later. T'as encore pris un autre sushi? T'as déjà goûté ou pas? C'est les gars, tous ceux qui veulent un plan pour manger, venez ici. Moi, c'est pour ça que je fais toutes mes vidéos ici. Non, c'est bon, c'est la honte, Myriam, vraiment. Prends-en un dernier. Madame, c'est super beau. Merci, incroyable. Déjà, les gars, qu'une margarita, il n'y a que du fromage, donc il faut vraiment que le fromage soit incroyable. On a quoi? On a du cheddar, mais ils ont sorti... Du cheddar, pas cheddar. Cheddar, respect. Là, on a du l'herdamer fruité, les gars, ça doit être une masterclass. Prendre les deux, là. Le mozza et l'herdamer. Par contre, il m'a dit vanille et tarte aux pommes. Le mélange, il va être bizarre. Donc, j'ai le choix entre le big pot... En vrai, je vais prendre un pot normal parce qu'ici, regardez, il y a des billes de chocolat en mode vanille, billes de chocolat. Je vais prendre celui-là, comme ça fera chocolat, vanille et tarte aux pommes. Les gars, avec 5 euros de mon argent, je vais acheter un jouet. Mais ça n'a rien à voir, c'est MyIA qui décide. Normalement, je devrais demander à MyIA ce qu'il te prend, s'il te propose comme jouet. Hein. Eh ben, je vais Pouka vu avant, il joue avec ça. Mais alors, j'avais 8 ans, frère. Je balance, tu joues avec quoi, toi, avant? Vas-y, je joue avec toi. Je balance. Vas-y. T'es sûr? Oui, vas-y. Moi, je balance quand elle était petite, elle joue avec ça. C'est totalement faux. Joue avec ça, c'est bon. Les gars, vous devez vous demander pourquoi on vient toujours dans ce magasin. De une, il y a des sushis gratuits, frère. De deux, en mode tout le monde nous connaît. Ça veut dire quand on filme, quand on fait des vidéos, personne ne dit rien parce qu'ils savent qu'on est tranquille. Moi, je vous donne un conseil dans la vie, quand vous avez un lieu où c'est tranquille, les gens ils vous connaissent, c'est calme, allez que dans cet endroit. C'est carré. Quand on va dans d'autres endroits, ça va être bizarre. Ils vont se dire pourquoi ils filment? Qu'est-ce qu'ils font? On va perdre du temps, ils vont nous convoquer dans le bureau avec les vigiles. Dès que j'ai un endroit, en vrai, je reste que là-bas. Myriam, l'ingrédient magique. Thomas. Pizza. C'est ça, ouais, c'est ça pour les margaritas. Attends, quoi? Tu as vraiment mangé une margarita? Il n'y a que 2 ingrédients, le fromage et la sauce, c'est pas bon. Fais une avec 20 ingrédients au moins. Ouais, c'est vrai que moi, les gars, je préfère manger des pizzas avec plus d'ingrédients. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pizza margarita la moitié et l'autre moitié, je fais la mienne. C'est l'heure des pizzas. On va faire, on a dit qu'on allait séparer une moitié margarita et une moitié crème fraîche. Non, la pizza margarita, c'est sacré. Je fais une margarita entière. On n'a pas le droit de saccager la margarita. Fais une deuxième au pire. Peut-être une deuxième, mais la pizza margarita, vous la touchez pas. D'ailleurs, c'est moi qui vais faire la margarita. Déjà, pour commencer, il faut toujours faire des trous dans la pizza pour aérer la pizza et qu'elle soit bien cuite après, tu vois. C'est ma mère à la... Mais comment ça se fait que MyIA il a découvert que ta pizza préférée c'est la margarita? J'avoue, comment il sait? Il m'espionne? Bah oui, parce qu'à chaque fois tu dis dans les vidéos, ouais, margarita. Ensuite, la famille, on va rajouter de la sauce tomate bien au milieu. Oh non! Ah, on dirait du vomi. Et d'ailleurs, une bonne margarita, c'est un petit peu de sauce et beaucoup de fromage, tu vois. Faut pas mettre trop de sauce. Oh, l'air d'amour! En plus, c'est du fromage fruité et fondant. Oh, mais en gras, mets tout le paquet carrément. Mets tout le paquet.
Voilà. C'est parti pour la deuxième pizza. Parce que je vous dis, bah, Margherita, c'est moi qui fais ces pizzas nature, ça nous intéresse pas, on l'a fait à deux. Wesh, mais respecte-moi. On va mettre de la crème un peu partout. Mais moi aussi, je vais goûter, hein. N'importe quoi, ce que vous faites, les pizzas, c'est jamais de la crème fraîche. Mais respectez la pizza. Mais quoi, Yacine, arrête avec ta mère. Je t'ai rien dit, t'as fait ta Margherita, on va goûter les deux, on va comparer, attends, on va dire la vérité. Mais laisse-moi. C'est comme ça. Dites-leur dans les commentaires que la meilleure pizza, c'est la Margherita. Vas-y, lui. Poulet dans une pizza, nous avons le droit. Droit de la pizza. Droit de la pizza. Mozzarella. Voilà, on met du fromage. Il avait un cratère. Ça fait quand même peur que MyIA entend toutes nos conversations. Parce que des fois, même ma soeur, elle m'a dit tout à l'heure, parle de basket Nike, t'ouvres ton téléphone, basket Nike. Ça devrait être interdit en France d'écouter des gens, là, d'espionner. Là. Pourquoi vous nous espionnez? Là, on a la Margherita et là, on a la Margherita. Pourquoi c'est les deux mêmes? Il y en a une, tu l'as mis au poulet, sale tricheur. T'es sûr? Il est où le poulet? On le voit même. Wesh! On va balancer les dossiers avant qu'Assini tombe malade la nuit. Il se commandait une pizza comme ça, genre vers 22h. Supplément champignon. Supplément. Oh le gamin, supplément champignon. T'étais gros à cette époque-là, non? Non, ça va, j'étais normal. Comment tu faisais pour pas grossir? Je mangeais pas beaucoup. Alors on s'est pris une petite part. Bismillah. Attends, je suis pas sûr parce que tu imagines, Margherita, c'est la meilleure pizza. Quand il retape un croc comme ça, là, il dit il est pas sûr, c'est que c'est grave. Bon. Parce que la bouche est parfaite, elle est là. Bismillah. Je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment très très doux. Parce que le fromage, t'en as mis beaucoup. Ouais. Et c'est ça le secret d'une bonne Margherita en vérité. Exactement. C'est bon, je suis d'accord avec toi les gars. Je suis d'accord que c'est très très bon. Parce qu'il a blindé le fromage et il a pas mis beaucoup de sauce tomate. D'ailleurs, les restaurants italiens. Quand il y a plus de sauce tomate que de fromage, c'est dégueulasse. C'est vrai, j'aime pas. Mais ça peut pas détrôner ça. Regarde, c'est la même chose sauf qu'il y a des morceaux de poulet. Là, elle a bien grillé. Regardez-moi ça, on va essayer de se prendre une mini part parce que j'ai pas envie de grossir. Ça, c'est une mini part ça? Hein? Ça, c'est une mini part. Bah après, tu sais très bien moi si une vraie part c'est quoi. Normalement avec ça je devrais pas grossir. T'as pris la grosse part comme ça, tu dis c'est une petite part. T'es bizarre toi. Là vous voyez le poulet fondant là. C'est une laid. Dites-le dans les commentaires, vous préférez quoi, si les margaritas ou au poulet? Jamais de la vie, une margarita c'est mieux que ça. Et du coup pour ma part celle-là c'est un petit 9 sur 10 et là c'est un 8 sur 10. On passe direct au dessert et vous savez que nous on est les frères au mélange fou mais celui-là je l'ai jamais fait. Tarte aux pommes glace. Ah non c'est bizarre. Mais pourquoi t'as pas pris une petite part? C'est petit ça non? On va commencer par prendre un morceau. Oh là 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 là. Tarte aux pommes elle est croustillante. Moi je la kiffe, moi je kiffe les tartes aux pommes. De prendre de la glace à la vanille comme ça et d'étaler. Ça se trouve, c'est un glitch de ouf. Hein. C'est le croc au milieu. J'ai vraiment pas envie de me casser une dent, donc je vais le couper avant. Alors là, on a la bouchée parfaite. Vous avez bien vu. Bismillah. Ah, c'est ultra bon. Hein. Comment elle a découvert ce mélange, Yacine, tu penses? C'est comment? La pomme, elle se marie trop bien avec la glace, Yacine. Là, il me reste un peu, yes. Même si tu nous espionnes, pour la bouffe, t'es le boss. Bon, les gars, moi, je vais pas passer par 4 chemins, faut être grave gentil. Eh hey, mon pote, ça va? Hey, oh, comment ça, mon pote? Ton pote va bien, ne t'inquiète pas. On a passé un bon moment à discuter de la nourriture et toi, comment ça va de ton côté? Ah, faut pas lui dire des informations personnelles. C'est génial de savoir que ça va tranquille de ton côté. Qu'est-ce que tu as prévu pour faire de ton temps libre? Ok, dis-lui maintenant, j'ai faim pour propose-moi un repas du. Voilà, j'ai super faim aussi. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Ok, vas-y comme toi. Un bon plat de pâtes carbonara. Eh, hey, mais il a quoi avec les pâtes carbonara? C'est une dinguerie. C'est tout? Là, je vais lui dire pour le dessert, qu'est-ce qu'il a proposé? Et mets-moi un bon truc. Hey, mais il est trop gentil, Maïe. Ah, c'est une dinguerie, les. Pour le dessert, je te suggère un délicieux fondant au chocolat avec une boule de glace à la vanille. C'est un régal absolu. Incroyable, les gars, le repas de Myriam. Merci. C'est le moment pour Myriam de choisir son fondant. Elle a beaucoup de choses. Ah, prends direct le gu. Celui-là, c'est le meilleur, celui-là. Ouais, trop. Moi, je pense pas, je pense que tu te trompes. T'as le Toblerone, wesh. Regardez-moi ça. Tu te rappelles pas de. Non, c'est pas un fondant. Fondant, coulant. Il avait dit pâte carbonara. C'est pas n'importe lesquels. C'est pas pâte au jambon, pâte au thon. Faut que tu trouves carbonara. Carbo, mais c'est pas l'aile. Fais voir vite fait. Est-ce qu'il y a de la viande? Ah ouais, non, on peut pas. Tiens, repose ta femme. Du coup, bah prends les pâtes que tu veux, c'est pas grave parce que les gars, il y a pas halal. C'est entre fromage italien, pasta box ou alors les comme ça aux tomates. Ça, il y a moyen que ça ait un goût de pizza. Hein. Ah les gars, pour pas grossir dans les vidéos dégustation, nous on fait du sport, on est des sportifs. Moi, je fais de la crotte et Yacine, vas-y, montre-moi ce que tu fais. Je vous l'ai dit, on a acheté le nouveau Rapid Fire. Fais leur montrer c'est quoi le Rapid Fire. Ok, regardez. Tu fais une passe, la balle elle revient, c'est incroyable. Tu reviens. Ça, c'est stylé quand t'es tout seul pour t'entraîner. C'est stylé. Oh, ça fait même la passe en l'air, incroyable. Ah, Myriam, elle lui fait un entraînement. Accélère, faut pas qu'on grossisse. C'est ça que t'as acheté à 5 euros. C'est pas 5 euros, arrête de manger. Si, c'était 4,50€. Mais ça sert à rien, Myriam. Si, il y en a qui ont pas à manger. Ils ont crève de faim. Tu gaspilles de l'argent dans ça. C'est incroyable. Mais c'est quoi qui est incroyable dans de la bouillie? C'est la mer et l'océan. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, les gars, ma mère, elle a fait une dinguerie. Tu sais, elle a fait quoi, maman? Elle a fait quoi? Regarde. Oh là, les gars, nos mamans ont du talent. C'est une dinguerie ce qu'elle a fait. C'est mieux que Cédric Grolet, ça. C'est Cédric maman. Eh, franchement, les gars, mettez une note. Pour ma mère. Maman, t'as pris combien de temps à le faire ça? Une semaine? Non. Une heure. Incroyable, les gars.
Ah ouais, ça se met super bien ici, les gars. Myriam, elle est dans notre setup. En train de jouer avec les abonnés. Incroyable. Regardez Myriam, quand elle est devenue forte. Alors, vas-y, éteins le lieu. Oh là là. Bon, bah, du coup, c'est le moment de faire le repas de Maïa, bro. Aujourd'hui, on aurait dit c'est 100% italien, les gars. Ouais. Donc, je vous présente. On a les pâtes carbonara qui sont pas trop respectées. Les pots de glace. Est-ce que vous vous rappelez, il n'y a pas halal. En vrai, je pense qu'on va tout détourner. On va commencer par le dessert. Quoi? Et tu respectes rien? Oh, regardez. Alors, faut qu'on voit c'est comment. Franchement, j'ai découvert une nouvelle formule secrète. C'était trop bon. Boule de glace sur le fondant au chocolat. Mais tu sais que le fondant il est chaud. Ça va être bon à votre avis ou pas? Je sais pas, parce que tout à l'heure c'était incroyable, les gars. Prends bien tout, bouche est parfaite. Hein. Le chocolat qui se mélange à la vanille. Oh, moi j'imaginais pas ça comme ça. Incroyable. Attendez, je regoute. Ça me donne vraiment envie de goûter là, vraiment. Oh, un banger. Moi je pensais que le chocolat froid ça se mélangeait pas, mais ça se mélange. Ah ouais? Incroyable. Le pire c'est que là ça a fondu, regardez. Bah, IA, tu crois malin? Je vais mettre de la glace dans les pâtes. Quoi? Il y a des frites et glaces, mais il n'y a pas, y a jamais eu pâtes et glaces. Quoi? Je suis vraiment très désolé, les Italiens. On dirait du parmesan. Oh là 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 là. T'imagines si elle me dit c'est bon, je pète un câble avec son palette d'Oberman. Et... Non, ça va, ils sont gentils, les abonnés. Quand tu joues pas, ils te fument pas. C'est dégueulasse. Bon, je vais prendre des pâtes normales. Eh, mais les gars, j'ai une question, les Italiens. Est-ce que c'est vrai que dans votre pays, on mange que les pâtes et des pizzas? Bon, là, on va vous laisser là, mais les gars, j'ai une vraie question. Répondez en commentaire. Est-ce que vous pensez que Maïa, ils espionnent? Moi, je pense que oui. Hein. Bref, sinon, ciao ciao!